Vivre en famille lorsque vous êtes en couple, cela est une réalité peu reluisante. Elle l'est d'autant plus lorsque vous y fondez une famille. L'histoire de Monsieur et Madame Kwame, notre couple invité, illustre bien cette réalité. Bienvenue dans votre rendez-vous favori, Un couple, une histoire. Aujourd'hui, nous avons décidé de jeter un regard sur cette autre réalité conjugale. Qui sont les Kwame? Découvrons-les dans cet élément. Kwame Kwadio Didier rencontre Bedi Kadia Christelle en 2012. Tous les deux très jeunes, ils décident de fonder une famille. En novembre 2015, ils se disent oui devant Dieu et devant les hommes. Cette union va faire naître quatre magnifiques enfants, dont une fille et trois garçons. Pour un jeune plein de force et d'avenir, l'on pourrait dire qu'il a tout pour se faire une place au soleil. Mais comme on le dit, on ne sait jamais ce que nous réserve l'avenir. Nous sommes avec un couple, Monsieur et Madame Kwame. Christelle Bedi, c'est exact, hein, Christelle? Et on a avec nous Monsieur Kwame Kwadio Didier. C'est ça. On vient de suivre un élément tout à l'heure. Est-ce qu'on retrouve votre parcours? Oui, effectivement. Que serait un couple, une histoire sans ses coachs, ses formateurs, ses conseillers qui nous aident à mieux comprendre la vie des couples? Monsieur Kwasi Richemont, il est avec nous. Bonjour Monsieur Kwasi. Bonjour Méliane. Il faut rappeler, hein, il est conseiller matrimonial, il est coach, il est psychologue. C'est bien ça. Un couple, une histoire, c'est de l'amour. Un couple, une histoire, c'est de la romance. Nous allons découvrir comment M. Kwame a pu conquérir le cœur de sa dulcinée. Tout comme moi, chers téléspectateurs, je parie que vous rêvez de savoir comment a démarré cette histoire, notre conte de fées. M. Kwame, oui, d'où est partie cette relation d'amour? Je venais en fait d'une déception, en tout cas d'une lourde déception. Et j'avais un ami un peu proche qui avait aussi une partenaire. Et ce sont ces derniers, pour ne pas dire ces derniers, en tout cas qui ont décidé de me mettre en contact avec les sœurs. On dit dans la rue, ils ont fait un branchement. Voilà, ils ont fait le branchement, voilà, c'est ça. Donc on fait le branchement, on vous donne son numéro, on lui donne votre numéro. Oui. Qui appelle en premier? Christelle, Didier? C'est Christelle qui appelle en premier. Ah, femme audacieuse. J'appelle pour découvrir un peu, mm-hmm. pour chercher à rencontrer en tout cas la personne. Parce que j'ai appelé par curiosité d'abord, donc je voulais au fur et à mesure voir la personne que j'avais appelée. Et je me présente, je lui montre un peu comment j'ai eu son numéro à travers ma soeur. Mm-hmm. Elle m'a donné son numéro, elle m'a beaucoup parlé de lui, donc... En fait, il s'est toujours désintéressé, il raccroche. Aïe! Attends, il a, Didier, c'est la peur ou qu'est-ce qui s'est passé? Didier, qu'est-ce qui s'est passé là? Quand elle finit de se présenter, j'ai eu votre numéro par le biais de telle personne et tout. Vous saviez bien de qui il s'agissait? Oui, effectivement. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Vous raccrochez? C'est une forme d'attrape nigo. Hey. Voilà. Ça dit qu'on peut, on peut, voilà. Ça dit que c'est une forme d'attrape. Trapigo, voilà. D'accord. Donc, pour raccrocher. Je raccroche pour voir quelle serait sa réaction. J'ai eu cet état d'esprit, en tout cas sur le champ. Vous raccrochez, qu'est-ce qui se passe? Je finis par la rappeler. Ah. Voilà. Et puis, bon, je présente des excuses, lui disant, bon, voici, tu m'excuses, voilà. Bon, en tout cas, moi aussi. On m'a beaucoup parlé de toi. Vraiment, j'ai bien envie de mettre un visage sur le nom. J'ai bien envie, en tout cas, de connaître ton visage, de voir ton visage, qu'on puisse voir à visage découvert. Et puis, c'est comme ça. On s'envoie les messages, on s'appelle. Donc, et les messages, les appels, ça dure combien de temps? 2 semaines. On n'a pas trop duré, en tout cas. D'accord. On n'a pas trop duré. Vous êtes allé chap-chap, comme on le dit. Voilà, chaplin. Donc, vous envoyez les messages et puis vient le grand jour où vous devez vous retrouver. Oui, c'est ça. C'est ça. Vous vous retrouvez où? Comment? Dans quelles circonstances? Bon, il faut dire que d'abord, j'habite à Yopougon. Oui. Donc, et elle résidait où à l'époque? Elle résidait à Benjerville. Ouais. Benjerville. Et qui va avec qui? C'est moi, bien sûr.
C'est mou. Ah, là, c'est un voyage. Yo, pour qu'on me gerville. Ouais, faut aimer. Donc, je contacte sa soeur. Et puis, je contacte aussi mon ami. Et je lui ai dit que dans 2 jours, hein, on va aller rencontrer, en tout cas, on va aller sur... l'élu. Ah, rencontrer l'élu, c'était l'expression. Dans 2 jours, on va rencontrer l'élu. Bon, l'élu. Les carottes sont cuites. Voilà. Donc, je vais avec mon ami. Mais sa sœur est déjà présente sur les lieux, puisque c'est sa sœur, donc le elles vivent ensemble dans la même maison. Là-bas. Donc, on va les rencontrer. Et puis, elles descendent des taxis. Je vois d'abord une fille un peu plus petite, très claire. Oui. Je vois une autre, je vois la petite amie de mon ami en question. Et je vois une autre. Une autre fille descend. Avec un teint bronzé. Oui. Et puis, je vois une autre fille claire. Je dis, mais c'est qui ça? C'est une petite fille. Hein. Donc, quand tu. Il s'agissait de Christelle. Oui, oui, oui. Mais tu la vois de face. Oui, oui, effectivement. Oui, donc tu regardes, donc, tu te dis. En la regardant, j'ai vu qu'ils ont, ils ont trop mis la barre haute. Mm-hmm. Ils ont trop mis la barre haute, tout ça. Mais mon ami a dit, tu vois. Mon ami était à côté. Mon ami, tu vois, elle est belle, non? Elle est belle, il y a son sourire. En tout cas, franchement, son sourire m'a captivé. Oui. Quand j'ai regardé, j'ai vu que. Elle a un petit sourire. Elle avait un beau sourire, tout ça. Mais ce qui m'a intrigué, c'est quand elle a fermé la porte. En fait, quand elle, vous comprenez que quand elle ferme la porte, elle se retourne. Voilà. Elle ferme la porte, elle se retourne pour bien. C'est là. Il voit que. Ah, c'est pas du jeu, hein. Franchement, il faut qu'on guérisse ça le plus vite possible. Parce que ça, voilà. Si ça vous échappe. Ça m'échappe. Voilà, et puis, ça commence à aller dans un restaurant. On s'est présenté. En tout cas, et puis, bon, c'est. C'est parti de là. Donc, vous l'avez vu, Christelle. Vous voyez le monsieur, on a parlé de lui, vous échangez avec lui au téléphone. Vous le voyez la première fois. Sentiment. Quand je l'ai vu pour la première fois, en tout cas, il était beau. Il est beau. En tout cas, quand je l'ai vu, en tout cas, son visage, son aspect, en tout cas, me plaisait. Et bien, il y a une chose que j'ai pris pour me moquer après. Vous voyez son bain. Oui. Vous voyez son teint, il est agneau ou quoi, comment il est noir. J'ai commencé à, en tout cas, j'ai ma soeur qui disait, oh, là-bas, attends, tu penses quoi, il est beau. Hein. Donc, en commençant comme ça, c'est vrai, il est beau, puis il est costaud, après j'aime bien ça. Et là, il a suivi le régime, il était bien costaud. Donc, j'ai dit, en tout cas, c'est le genre que j'aime. C'est ça. Donc, on est allé, on a mangé. Suite à ça, il y a ma cousine qui était là qui dit, ça là, c'est pas pour toi. C'est pour nous, là. C'est ta tante. C'est ta petite tante, ça, c'est pour nous. Donc, t'as dit, je suis déjà fait quoi, ça. Là. En tout cas, elle parlait comme ça, j'ai pensé qu'elle s'amusait, mais après, ça commençait à être sérieux. Donc, quand j'ai vu, de toute façon, ma tante était sérieuse, elle dit, moi, j'ai attrapé pour moi en même temps. Comment elle peut être sérieuse comme ça, c'est que j'ai fini à voir mon rendez-vous. Donc, chacun de vous a voulu sécuriser le bien. C'est comme ça. Et là, on va de rendez-vous en rendez-vous. Finalement, l'amour naît. Bien sûr. Et. Comment on arrive jusqu'au mariage? Par le mariage, d'abord, on a commencé à se fréquenter. J'étais à Benjamin. Mm-hmm. Puisque j'étais là même d'abord pour les vacances. J'étais à Benjamin pour venir de temps en temps. Lui aussi, il partait me voir. Mais c'est moi qui venais beaucoup à la maison. Vu le premier jour que je suis arrivée, d'abord, il y a le vieux qui m'accueille. Bien, qui me demande, ils vont aller renseignement sur moi, tu as lequel est né, comment tu vas? Son papa? Donc, je échange avec le vieux. Le vieux me dit, sois la bienvenue. Et je suis contente, pour moi, c'est un rêve, j'ai déjà eu. Tu as voilà, j'ai déjà eu un foyer comme ça, je rêve. Donc, c'est comme ça que tout est parti. Et après les vacances, je suis rentrée. Mm-hmm. Je suis rentrée en famille. Donc là-bas, je découvre que je suis partie avec un trophée. Au retour des vacances, je suis partie avec un trophée. Donc, comment faire? Même si je dois aller à l'école avec ça, il faut qu'on s'asseye, la famille. Il faut que les deux familles... Il faut rappeler, le trophée, c'est qu'elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte. Je suis tombée enceinte. Quelques semaines après, il y a ma grand-mère qui m'observe. Mm-hmm. À 20 moments, même, elle me dit, elle est urinée dans une boîte pour lui envoyer. Mm-hmm. Elle regarde mon urine et puis elle me dit, tu es enceinte. Je lui dis, mais ça, toi, tu es devenue test de grossesse. Et puis je parle, elle me dit, d'accord, on va voir. Et elle me dit, je te donne 2 semaines encore pour mettre si ces semaines-là, tu vas voir. Donc, 2 semaines passent. C'est devenu un vrai palu. J'ai vomi, la fièvre, ça ne cesse pas. Je vois que je suis devenue pâle. Et ma grand-mère annonce à maman pour dire, on a un petit-fils qui est venu dans la famille. Et vraiment, je suis
je suis, bon, moi je suis stressée. Ouais, maman allait parler parce qu'un jour, maman me réveille à 5h, elle me dit, oui, c'est déjà arrivé, on ne peut rien faire parce que votre papa a tellement cherché, garçon, il n'a pas eu, vous êtes que des filles. Et maman aussi qui est la seule fille parmi ses frères. Mm-hmm. Donc, nous sommes comme ses soeurs. Donc, je ne veux pas que, même si c'est un vagabond, c'est un fou qui t'a enceinte, tu as aimé ce fou, c'est pourquoi tu es parti. Moi, je te déconseille. Il faut pas avorter, il faut garder. Je conseille d'avorter. Donc quand vous annoncez à Didier que vous êtes enceinte, Didier, et bien, c'est quoi? Prise de panique. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. À ça. Voilà, je m'attendais pas à ça, mais j'ai toujours pensé, j'ai toujours dit une chose. Si j'enceinte une femme, si j'enceinte une fille, c'est elle qui sera la mère de mes enfants et puis c'est elle que je vais marier. Donc, c'est comme ça que c'est cette philosophie que j'avais. Voilà. Donc, la grossesse a déclenché, puisque là, on parle d'amour, la grossesse voilà. A déclenché, le ballon d'or a déclenché le processus marital. Voilà, c'est un peu ça. Mais il faut dire que je l'aimais beaucoup. Ah, l'aimais mais beaucoup. Voilà, donc, vraiment, je voulais. Quand... La sécuriser. Voilà, la sécuriser, voilà. Parce qu'au-delà de l'amour, je pense que. Qu'est-ce que vous aimez le plus chez votre femme? Moi, je veux savoir. Qu'est-ce que vous aimez le plus chez Christelle? D'abord son sourire. D'accord, on a le sourire de Christelle. Il faut dire que elle est vraiment attentionnée. Et puis voilà. Non, j'ai pas compris. Je pense que les téléspectateurs n'ont pas compris. Bon, ce geste, qu'est-ce qu'on doit supposer dans ce geste? Bon, sa forme, en tout cas, ça. Voilà, sa morphologie, voilà, on va dire ça comme ça. Voilà. Elle a des formes généreuses. Derrière ce joli boubou se cachent des formes généreuses. Christelle, et vous, qu'est-ce que vous aimez chez Didier? Je n'ai pas rancunier parce que souvent, moi-même, je fais des choses, je sais que je n'ai pas raison. Mm-hmm. Et puis j'attrape une fausse raison, et puis je suis là, je ne parle pas. Pourtant, c'est toujours lui qui vient. Attends, il est toujours le premier à venir. Il fait toujours le premier pas venir. Non, vous êtes conscient que vous avez tort. Voilà, mais bon, faites le genre, oui, j'ai tort, mais c'est moi qui ai raison. C'est quand on aime quelqu'un qu'on fait ça. Sinon, on ne peut pas toujours être là en train de se rabaisser. Là, c'est une manière de se rabaisser ce soir. Ouais. Donc, il est toujours le premier à venir demander pardon. Il est toujours le premier à demander qu'on passe à autre chose. Donc, pourtant, moi, quand ça m'arrange, je suis. Donc, ça, j'aime bien ça chez lui parce que. Quand ça commence à ne pas aller, il ne tarde pas aussi à s'énerver, mais il ne dit pas sur sa colère. Nous voilà. Disait en antenne, hein, elle est son diamant. Monsieur Richemont. Lorsqu'on écoute cette histoire, qu'est-ce qu'on a envie de dire? Bon, d'abord, c'est une histoire impressionnante. Vu qu'il a dit qu'il sortait des Goumer, ouais. Et on fait la présentation. Et au début, en descendant du taxi, j'ai dit, mais j'ai l'impression que ce n'est pas ça. Après, il se rend compte que c'est un mouvement. Et vraiment, ils se sont engagés et il a dit que si je dois enceinter une femme, c'est que c'est elle qui sera la mère de mes enfants. Et il s'est penché sur cette philosophie et aujourd'hui, je pense qu'il a tenu parole. Comment s'est faite la demande en mariage? Le jour de la demande en mariage, là. Oui. Puisque il y a un truc qu'elle n'avait jamais consommé, les glaces. La glace alimentaire. Ah donc, le glace, jour de la... Attends, quelle glace alimentaire est-ce qu'on a dans les glaciers, là, les cornets, là, voilà, hein? Donc, tous les jours, elle me disait que, ah chérie, vous m'envoyez au glacier. Il n'a jamais mangé de glace, vous m'envoyez au glacier. Ah il dit, bon, il est coupé, il est envoyé au glacier. Donc, un jour, un soir, vers 23h, j'arrive à la maison avec un truc. Chérie, t'es. On veut deux glaces pour, en tout cas, pour lui donner. Une vérité. Elle dit, ça c'est quoi? Elle dit, vous, oui, t'as quoi? Ok, non, mais quand elle a vu là. La glace? En tout cas, elle m'a regardé. C'est le sourire qu'elle a fait, il n'a jamais vu ça. Jusqu'au lieu dit, il n'a plus jamais vu ça. Je ne sais pas si. C'était l'énervement. Je ne sais pas si l'univers est descendu sur place en même temps et puis ça a disparu en même temps. Je ne sais pas. Mais, c'est-à-dire que. Elle m'a fait un sourire, franchement, qui était plus qu'agréable. Uh-huh. Puis elle a dit, ah, franchement. Il faut finir de manger d'abord et puis on va échanger. Puis c'est comme ça qu'on a échangé. Puis tout ce qu'elle vous a dit là, c'est ce qu'elle a dit. C'est ce que tu as dit. Voilà, c'est ça. Mais est-ce qu'on a eu la demande avec le genou à terre et tout ça? Veux-tu être mon épouse? Est-ce qu'on a fait ça? Non, ça c'est dans la télé. Mais ils sont dans la télé. Bon, en fait, on était couchés. Non, on était couchés. Ouais,
vous comprenez, les demandes en mariage, c'est pas forcément le geste qu'on voit dans les films romantiques où on met le genou à terre. Il a fait sa demande avec un élément qu'elle appréciait. Il a fait la demande avec une glace et voilà, elle a eu le plus beau sourire qu'il n'a jamais vu et qu'il est en train de rechercher encore. C'est cette vie-là que nous rêvons pour vous, une vie pleine de romance. Mais dans la vie de couple, il y a des hauts, il y a des bas, il y a ces moments de difficulté. Et le couple Kwame n'a pas échappé à cette zone d'ombre. La zone de turbulence, ou si vous préférez la descente aux enfers du couple Kwame, va démarrer avant le mariage, c'est bien ça? Oui. J'ai arrêté les études, c'est-à-dire que suite à une situation que j'ai rencontrée. Je venais juste d'avoir le bac et j'étais orienté à l'université Félix-Houphouët Boigny de Cocody, en filière de linguistique. Donc j'étais là-bas en première année et au cours de l'année, mon père rencontre un problème. Les plus grands n'étant pas là, je prends la décision de m'occuper de mon père. Donc, l'AVC, en tout cas, qui vient d'arriver, je peux dire, en ce temps, c'était encore tout nouveau. Mm-hmm. Donc j'ai pris mon courage à deux mains et puis j'ai commencé à m'occuper de lui. Donc, je faisais toutes ses courses. Je l'envoyais à l'hôpital pendant qu'il était dans le coma, pendant qu'il était hospitalisé. En tout cas, je faisais tout. Donc, j'ai perdu une année. Mm-hmm. Et plus tard, lorsque je devais reprendre encore la deuxième année, il a refait... Une autre crise d'AVC. Non, pas une autre crise d'AVC. Il a fait un cancer de la prostate. Donc, on devait réunir en tout cas les moyens pour pouvoir faire l'opération. Et puis, je devais encore prendre l'engagement, en tout cas sur ma vie, mm-hmm. pour m'occuper de lui. C'était à 100% parce qu'il n'arrivait pas à marcher. Les personnes atteintes de cette maladie deviennent invalides. Voilà, invalides. Donc, merci. Ils redeviennent comme des enfants. Il faut les laver, il faut les nettoyer. C'est ça. Donc, c'est ce que je faisais. Et voilà que j'ai arrêté les études. J'ai changé avec mon père. Puis je lui ai dit que, n'étant plus valide, le peu de moyens qu'elle a, il faudrait que tu puisses... assurer l'avenir scolaire, en tout cas de mes petits frères. Les plus petits, je décide de me sacrifier. En tout cas, je décide de me sacrifier. Moi, je vais passer des concours, je vais me chercher. Comme ça. Et c'est comme ça, c'est-à-dire qu'il accepte ça vraiment difficilement. Mais je lui fais comprendre que la vie ne s'arrête pas là. Je peux toujours continuer les études. Et puis, c'est comme ça, je me lance dans la vie. C'est après ça que j'ai fait la connaissance de mon épouse aujourd'hui. Mmh. Et on fait notre premier enfant. Je vis chez mes parents. Donc, si je fais un enfant avec une fille, je dois informer ma famille. La famille. Voilà, donc, et c'est ainsi que j'ai informé ma famille. Vraiment, ça a été un choc. En tout cas, ma mère n'a vraiment pas accepté. Mon père, bon, au début, il était choqué, mais après, il a dit que de toute façon, quand il m'observe, il voit que je suis grand. Je dois... Il n'y a pas de problème. Parce qu'il ne fallait pas seulement leur annoncer cette nouvelle. Il fallait aussi, c'est-à-dire que prendre aussi la fille en charge. Donc, je devais faire venir, c'est-à-dire que la mère de mon fils, pour m'occuper d'elle. Je n'avais pas de moyens pour m'occuper de la grossesse. Mm-hmm. Donc, j'envoyais de maigres moyens, mais c'était carrément insuffisant. Donc, c'est elle-même, sa famille, même c'est du côté de sa famille, en tout cas, qui a tout pris en charge. En charge pour la grossesse de l'enfant. Même le transport pour aller voir mon enfant, je ne l'avais pas. Donc, la famille de son côté aussi a commencé à se poser des questions. Mais qui t'a enceinte? On entend au téléphone seulement et puis, bon, il ne vient pas. Qu'est-ce qui se passe? Donc, en ce moment-là, Christelle, qu'est-ce que ça vous faisait? Avec la grossesse, là, les parents, surtout ma mère, elle me parlait, elle me conseillait. Mais au moment où j'ai accouché, et puis surtout que l'accouchement c'était mal passé. Donc j'avais perdu le sang, j'étais inconsciente pendant 2 semaines, j'étais hospitalisée. Donc elle pensait qu'avec ce qui était arrivé, même s'il n'a pas d'argent, il allait peut-être demander un prêt pour venir, mm-hmm. parce que c'était quand même grave. Elle voit que jusqu'à ce que je me réveille, il n'est pas là. Il n'est pas venu. Il est arrivé un moment. Vu les moyens aussi, tout ce qui était suivi, il avait envoyé. Donc, maman trouvait que c'était devenu comme une foutaise parce que c'est vrai qu'elle a accepté le fait qu'il n'a pas de moyens, il ne travaille pas, mais se sacrifier pour venir là.
Elle voyait ça comme, le fait qu'ils ne viennent pas, elle voyait ça comme une foutaise. Donc mes tantes, ma maman, mes oncles avaient commencé à parler. En ce moment, comme j'avais mon grand-père aussi qui était là, mon grand-père avait décidé aussi de me soutenir. Donc avec une de mes tantes aussi qui a payé les frais de l'hôpital, qui s'est occupée de tout. Elle a réglé tout et nous sommes sortis de l'hôpital. Et en espérant qu'il allait venir, donc quelques temps après, il n'est pas venu toujours. Donc un jour, ma maman se fâche et puis elle me dit que je ne veux pas que tu es ma première fille, je ne veux pas que tu échoues, parce que si tu échoues, celles qui viennent derrière vont te suivre. Et puis tu n'auras plus bouche sur elle. Parce que même si elles sont en train de faire une bêtise, tu ne pourras plus répondre à quelqu'un parce qu'elles t'ont vu ici. Donc je veux que tu partes derrière le père de l'enfant. En tout cas, je voyais qu'elle faisait ça malgré elle, parce que son gars n'était pas témoin. Mais il fallait qu'elle fasse ça aussi. Donc c'est comme ça, un bon matin, maman me rappelle, me dit, elle me remet une somme, elle me dit que j'ai payé ton transport déjà à la gare. Demain, je veux que tu partes à Abidjan. Et c'est comme ça. Et votre maman, elle était où, faut rappeler? Elle était à Grand Bérébi. C'est derrière son pédo. Elle était à Grand Bérébi. Et comme ça, lui aussi, il informe les parents. Le vieux a montré qu'il n'y avait pas de problème. Mais la vieille n'était pas d'accord. Donc, je finis par. Ça veut dire que sa maman n'était pas. Sa maman n'était pas d'accord. Donc, je finis par arriver dans la famille. Et tout le monde m'accueille bien. Le beau-père, les beaux-frères, tout le monde m'accueille. Les beaux me taquinent, même en me demandant comment le voyage s'est passé. Mais. Le premier jour, je suis arrivée déjà, je salue ma belle-mère, elle ne répond pas. Mm-hmm. Le lendemain, je salue, elle ne répond pas. Elle a commencé à serrer le visage. Donc, le troisième jour, elle me réveille tôt le matin, 6 heures. Elle me fait asseoir au salon et elle me demande. Tu dis que l'enfant que toi, tu as, c'est de mon fils. Et puis, je réponds, oui, maman. Elle me dit carrément de ne pas l'appeler maman. Et de retourner l'enfant chez son papa parce que cet enfant n'est pas de son fils. Et moi, j'ai commencé à pleurer. Puis, je lui ai demandé. Ah! Tu sais avec qui ton fils marche ou bien tu le contrôles jusqu'à ce point. Elle me dit carrément, quand moi je parle, tu ne dois pas parler. Donc. Et je me suis dit, elle a en tout cas fait sortir des paroles qui n'étaient pas en tout cas jolies à entendre. Donc elle parlait comme ça. L'enfant, c'est pour un Mauritanien, même pour un Libanais, puis il a les yeux bleus. Pourquoi c'est comme ça? Il faut prendre ton enfant, puis il faut quitter le chemin. Moi, je ne vais jamais t'accepter ici, puis tu n'es pas la bienvenue ici. Tu as compris? Et puis elle a parlé comme ça. Et j'ai commencé à pleurer. Donc pendant qu'elle me grondait, puis les mamans, elle est quelqu'un. L'éducation, là, c'est pas à lui ce qu'elle a donné ça. Elle a éduqué ses enfants comme ça. Même si elle entend de parler, aucun enfant ne va lever la voix pour interrompre. Mm-hmm. Donc, c'est comme ça. Donc, lui-même, elle est en train de me répondre, mais il n'avait même pas le cœur même de sortir pour venir dire, maman, pourquoi tu fais ça? Il devait rester jusqu'à la fin. Mais comme les injures étaient trop arrivées, au moment il est venu, il est sorti, ça m'a dit, maman, c'est quoi tu es en train de faire comme ça? Puis elle a commencé aussi à l'insulter. Hein, tu es là, tu ne vaux rien. Toi, ces femmes, tu as l'enceinte. Donc, elle a commencé à parler comme ça. Puis, il m'a demandé de rentrer dans la chambre. Et puis je me suis levée pour entrer dans la chambre. Mais en partant, elle parlait. Tu n'es pas la bienvenue ici, je ne vais jamais t'accepter. Tu as compris, non, prends ton enfant, puis demain, elle ne va pas te voir ici. En tout cas, elle parlait comme ça. Et puis je suis rentrée dans la chambre. Et un jour, elle me fait sentir que je ne suis pas la bienvenue. Je ne suis pas la bienvenue dans sa maison. Je ne suis pas de la même ethnie qu'elle. Oui, elle a signifié ça, le fait que chez eux, il se marie. Entre eux, son fils doit prendre une femme de chez lui. C'est ça. Donc avec cette atmosphère-là, on a vécu comme ça. Et au fur et à mesure, un jour, il arrive que j'ai mon beau qui fait une dépression. Donc la vieille décide de rentrer au village pour aller le traiter. C'est comme ça que je reste à la maison. Je maintenant prends la place, peut-être la maîtresse de la maison. Oui, parce que je dois m'occuper du vieux qui est malade, de la nourriture, du ménage, tout ça. Je dois faire tout. Donc avec cet enfant que j'avais, je prends une deuxième grossesse qui est la grossesse de ma fille. Donc je suis enceinte, mais j'ai aussi un bébé. Donc avec tous les travaux de la maison, j'ai souvent l'enfant au dos, puis je travaille. Un jour, mon mari, voilà qu'il propose, en tout cas quand on se marie, quand on regarde notre situation, une chose au début que je n'ai pas aimé parce que, vu de la manière dont on vivait... Déjà, avec deux enfants, vous vivez sur le toit familial. Voilà, et puis venir parler de mariage, vraiment. Mais je voyais dans son cœur qu'il était décidé, il avait déjà arrêté cette idée-là, malgré tout ce qui allait se passer. Et puis, il me rassura en me disant, quelque soit ce qu'on va traverser, on n'est pas là pour de bon, c'est pour un temps. Donc moi je voyais que ce temps là c'est trop long parce qu'on n'a pas de moyens pour aller prendre une maison. Tu me dis que c'est pour un temps. Pourtant je vois que c'est la souffrance qui a commencé, qu'on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Donc avec deux enfants et puis il parle de mariage et il annonce ça à son papa pour voir comment le vieux voit ça. Et le vieux au début il a un peu parlé parce qu'il a montré que tu n'as rien, tu ne travailles pas. Et puis c'est toi qui es là, tu veux faire des enfants, tu veux te marier, tu n'as pas d'argent, tu veux te marier. Et puis là, il a réussi à convaincre son père du fait que ce n'est pas l'argent qui peut faire forcément le bonheur, mais on doit aussi apprendre à respecter ceux avec qui on vit. Avec ceux qui ont vie, voilà. Les personnes mieux, qui voilà, nous entourent. C'est ça. Et je vois que monsieur aussi, il avait nourri cette pensée-là, mm-hmm. Donc il a décidé de rentrer au village, d'aller annoncer ça à sa maman, vraiment.
Là, c'est là que tout va se gâter. Il devait pas faire ça. Quand vous allez annoncer à votre mère que vous avez décidé de vous marier, comment est-ce qu'elle réagit? Elle a poussé un grand soupir. Elle a dit, malgré tout ce qui a été dit, tu t'entêtes. Je lui ai dit, mais il faut que je me marie. Elle dit, non, tu dois la laisser. Avec deux enfants, là, je dois la laisser. Elle dit, oui, tu dois la laisser. Donc, j'ai tant bien même insisté, mais elle a dit que, elle, en tout cas, faut même pas, je vais compter sur elle, en tout cas, pour la voir à ce mariage. Elle ne viendra pas à ce mariage, puis elle ne va pas venir à ce mariage. Elle n'est pas venue à votre mariage? Non, elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue. Ouais. Donc, vous viviez en famille, avec toute l'oppression sur votre épouse, tout ce qui se passe, à quel moment vous décidez de quitter la maison familiale? J'ai vu que, en fait, ma femme doit fonder son foyer. Donc, elle ne doit pas faire un foyer dans un foyer. Dans le foyer de ma maman. Donc, elle ne doit pas fonder un foyer dans un foyer. Donc, ce n'est pas possible. Donc, depuis lors, j'ai dit qu'il faut que je prenne une maison. Mais on ne peut pas prendre une maison dans la bouche. Dans la bouche, il faut aller dans le concret. Il faut aller prendre la maison. Donc, je me soucie en tout cas de réunir les moyens. Donc, pour réunir les moyens, il faut travailler. Donc, c'est comme ça. Et à l'époque, vous n'aviez pas vraiment d'engagement, donc vous faisiez des petits métiers. Voilà, des petits métiers. Donc, vous dépanniez en informatique, vous faites un peu de bricolage. Du bricolage. Ça vous rapportait combien environ? C'était vraiment minime, hein. Franchement, il y a des moments où je me retrouvais à 5 000, 2 000, 3 000. Il y a des moments aussi, en tout cas, je grimpais souvent jusqu'à 10 000. À l'époque, on a combien d'enfants? Deux enfants. Et vous en avez combien en ce moment? 4. Franchement, l'atmosphère à la maison était invivable. Mm-hmm. Dans les débuts, en tout cas, tout était bien. Il faut dire que ce n'est pas que les parents ne nous aidaient pas, hein. De temps à autre, ils nous aidaient, ils nous remettaient même de l'argent, même de poche. Souvent, ils ont souvent remis même de l'argent de poche, même à ma femme, même tout ça. Quand vous dites les parents, c'est qui? Le papa? Oui, le papa. Même la maman arrivait un moment, elle faisait comme ça. Mm-hmm. Mais ce sont des choses qui ne peuvent pas s'éterniser. C'est-à-dire que ces choses aussi, voilà, ont une fin. Il y a une chose qui a été un catalyseur. Mm-hmm. C'est-à-dire que qui a été un catalyseur, en tout cas, de quitter la maison. Ma décision de quitter la maison. C'était que parmi mes trois frères, il y a un qui a eu une dépression. Donc vous savez, la folie se fait par étapes. Progressivement. Voilà, c'est progressivement. C'est-à-dire que pour que la personne en tout cas puisse se promener nue dans la rue, c'est progressif. Donc dans les débuts, en tout cas, il piquait ses crises, mais on arrivait à gérer, on allait même à l'hôpital psychiatrique pour essayer de le traiter, mais on ne pouvait pas l'interner là-bas par manque de place. Il faut dire que là-bas, à la maison, avec ces crises, franchement, c'était devenu terrible. Il était violent vis-à-vis de votre femme? Oui, vis-à-vis de ma femme. Mais moi, je me souviens qu'on s'est déjà battu. Est-ce que ça agissait aussi sur les enfants? Oui, ça agissait aussi sur les enfants. Parce que les enfants n'étaient plus, ils n'avaient plus la paix du cœur, ils n'étaient plus libres. Ils étaient traumatisés, voilà, il y avait un traumatisme qui se créait. Donc vous décidez de chercher, de prendre un logement. Mais vous n'aviez pas de revenus. C'était quoi votre fourchette? On avait pensé un studio et puis on pensait aussi une chambre-salon. On dit que tout au plus... À combien? 60 000, 70 000. Tout au plus 70 000. On pensait comme ça. Mais on était beaucoup plus dans la fourchette de 50 000. Mm-hmm. 50 000, 40 000. Maintenant, c'est ce qu'on cherchait. Hein? Tant bien même que je n'avais pas de caution. Donc, j'ai rencontré les propriétaires de maison. Et puis, je leur ai expliqué que je dois prendre... je veux une maison. J'ai des enfants. J'ai des enfants aussi. Voilà. Mais ils refusaient. Ils refusaient. Donc, on a rencontré plusieurs propriétaires comme ça. Donc, arrivé, moi, ma femme m'a dit que mes chéris, si on n'arrive pas à avoir une maison due, on va aller chercher des baraques. Donc, vous étiez prête à aller même dans des baraques? Oui. Pendant cette période, Christelle, vous ne vous êtes pas dit, j'aurais pas dû me marier. Est-ce que cette relation n'est pas une erreur? Il ne faudrait pas que je monte parce qu'à arriver un moment de ma vie, je me suis assise et puis j'ai commencé à réfléchir. Puis je me suis dit, est-ce que c'est comme ça que je dois finir? Parce que j'ai perdu mon père et puis j'ai traîné, j'ai un peu souffert. Arrivé un moment, j'ai arrêté d'aller à l'école parce que pour payer les cours, il fallait trouver un oncle qui est au campement, tu as travaillé à la fin de l'année, qui a te remettre là. Donc j'ai commencé à réfléchir pour dire, regarde comment j'ai souffert. Et puis aujourd'hui encore, vraiment, ça me mettait mal à l'aise. Il faut que j'arrête. Mais quand j'ai décidé aussi d'arrêter, je regarde les enfants. Hein. Est-ce qu'ils vont recevoir l'éducation qu'il faut? C'est vrai qu'on n'a pas de moyens, mais
On les a appris à vivre avec ce qu'on a. Ce qu'on a, ouais. Donc, si je m'en vais d'elle maintenant, c'est donner raison à ma belle-mère, c'est donner raison à tous ceux qui m'écoutent parce que j'ai eu des camarades qui m'ont dit que si on était à ta place, il y a longtemps, on est parti. C'est quel foyer, toi, tu cherches? Et il faut dire qu'en ce moment-là, il y avait franchement des gens qui avaient l'argent qui me draguaient. Ah, reviens-moi, tellement que c'était dû à la maison. Je faisais des croquettes et puis je mettais dans les sous. Mon mari aussi prenait pour aller vendre. Moi aussi, je prenais pour aller vendre de mon côté. Lui aussi, il a commencé à avoir l'argent, il a commencé à payer des cartons d'insecticides. Là. Il prenait, il vendait. Moi aussi, je prenais pour aller vendre. Donc, on vivait comme ça. On vivait comme ça. Mais, à un moment, je t'ai su que j'allais partir. J'allais partir parce que je me disais que si ça continue comme ça, je vais partir. Monsieur Kwasi, qu'est-ce qu'on a envie de dire lorsqu'on écoute cette histoire de couple? Vous savez, quand tu vis dans une famille avec tes parents, étant marié, c'est très difficile. Étant donné que financièrement, on a du mal à s'en sortir, il ne travaille pas, monsieur ne travaille pas, madame également, et c'est très compliqué. Mais à un moment donné, il fallait essayer de trouver une solution. D'où cette histoire, cette idée de déménager, jusqu'à même chercher une baraque. Moi, je dis waouh. Et quand on est positif, on se dit, ce sont des situations qui arrivent. Mais je me mets en tête que demain, ça peut changer. Et c'est cette mentalité de croire qui les a poussés encore à rester dans cette situation. Merci, Monsieur Kwasi. Le challenge est lancé pour Monsieur et Madame Kwame. Il faut avoir son chez-soi. Il faut construire sa petite famille coûte que coûte. Comment ont-ils pu sortir de cette impasse? C'est ce que je vous invite à découvrir maintenant. Si vous nous prenez en marche, vous êtes dans votre émission En couple, une histoire. Monsieur Kwasi, avant de sortir les éléments qui ont permis à notre couple invité de sortir de l'impasse, j'aimerais savoir, vous, en tant que conseiller, est-ce que vivre en famille lorsqu'on est marié, c'est nocif pour le couple? C'est très dangereux pour le couple. Faire foyer dans un foyer, c'est très compliqué. Surtout avec les mamans, avec la belle famille. Vous savez, nous sommes en Afrique. Et puis, à partir du moment où nous sommes avec nos parents, dans la même famille, il y a toutes sortes de difficultés. C'est-à-dire, cette humeur de la mère aussi, qui, quand elle se réveille, elle n'est pas beaucoup trop d'humeur, elle commence à s'exprimer d'une autre manière. Et puis, il y a la frustration aussi de madame et aussi du monsieur. Donc, à partir de là, il va avoir toujours des problèmes. Et puis, en plus, ça ne responsabilise pas. Ça ne te permet pas aussi de pouvoir réfléchir comment faire pour m'en sortir, comment faire pour quitter dans cette situation. Est-ce qu'on peut dire que ça nous rend irresponsables? Bien sûr, bien sûr. Ça nous rend fainéants aussi. Vous avez toute cette situation. Par quoi vous commencez pour sortir de cette précarité, si on peut l'appeler ainsi? J'ai beaucoup hésité. J'ai découvert une faille à mon niveau. Mm-hmm. C'était que je n'ai pas de spécialité. Ça veut dire que pour trouver un boulot, ça serait compliqué. Je signale d'ores et déjà que je suis chrétien et pratiquant. Et j'échange beaucoup avec mon guide religieux. Donc, j'ai eu un échange avec mon pasteur et il m'a montré un fait. Il a souligné que si on regarde la Côte d'Ivoire, l'état de la Côte d'Ivoire actuelle, on voit que la Côte d'Ivoire est en mode développement. Donc, il y a des domaines d'activité qui sont en vogue. En vogue. Voilà. Et il y a des domaines d'activité qui étaient en vogue, mais qui ne le sont plus. Et puis, c'est comme ça, il a présenté plusieurs domaines. Et puis, il a aussi présenté le domaine du bâtiment. Mm-hmm. Donc, dans les débuts, je n'étais pas trop d'accord. Parce que, me connaissant, aller soulever, aller travailler dans le domaine du bâtiment, c'était salissant. Mm-hmm. Mais, plus je me fiais à cette mentalité, plus la souffrance de ma femme augmentait. Grimpait à la maison. Donc, un jour, j'ai décidé de me lancer. Et puis, je suis allé sur le terrain. Sur un chantier. Sur un chantier comme ça. Et puis, j'ai dit que je veux exercer en tant qu'aide-maçon. La journée se fait à 3000. Sur certains chantiers, c'est 3500. En tout cas, ça dépend. Mais, lorsque j'ai travaillé pour la première fois, franchement, j'ai vu que c'était agréable. Donc, j'ai versé tout mon cœur.
puis j'ai commencé à travailler. J'ai été... D'abord, tu as dit que aide-maçon. Oui, oui. Ça avait été maîtrin. Hein? Je suis maintenant maçon. Je suis maintenant maçon. Mais je veux dire que pendant que j'étais aide-maçon, en tout cas, j'ai beaucoup été utilisé. Je gagnais 3000 francs par jour. Donc, je me réveille matin, je marche. Je m'en vais et puis je ne mange pas. Et puis je travaille et puis je reviens avec les 3000 francs à la maison. Entre-temps, Christelle, de son côté, qu'est-ce qu'elle faisait? Moi, j'étais là. J'étais là et puis, comme il a dit, là, avec ce qu'il rapportait, c'était peu. Mm-hmm. C'était peu. Même si, à un moment, s'il enlevait le transport et puis la nourriture, 2000, il ramenait. Il dit la même nuit, là, si je l'attends qu'il arrive, de 2000, s'il est déjà 21h, il ne peut pas aller faire marcher pour dire qu'il est venu préparer. Donc, peut-être on va aller acheter un plat d'APF. Les 2000 sont déjà partis, parce qu'avec les enfants. Avec les enfants voilà. Et tout. Les 2000 sont déjà partis. Donc, demain, il va encore recommencer. Donc, un jour. Il est venu avec les 3000. Ce jour-là, on a décidé de manger, d'utiliser 1000 francs. Donc, 2000 est resté. Et le lendemain matin, il sortait. Il m'a dit non, hier, quand je venais, il y a un ami qui m'a donné 1000 francs. Donc, j'ai utilisé 500. Voici 500. Donc, les 500, il a mis ça, c'est les 2000. Ça faisait 2500. Je suis allée au marché avec les 2500. J'ai croisé une dame. Et puis, je lui ai présenté. Ah, vraiment, t'as dit, j'ai 2500. Mais 2500, je vais commencer à vendre patates. Je ne connais pas encore comment ça se passe, mais je veux que je me donne un peu de patates. Je vais essayer pour voir si ça va prendre. Donc, il me dit, tu as combien? D'abord, je lui dis, il y a 2500. Il me dit, d'accord, je peux te donner pour 2500. Donc, je lui dis, 2500, hein. Il y a patates, il y a huile, il y a la pâte, il y a mon charbon, il y a le papier, tout ça, le sachet, tout ça là-dedans. Elle n'a pas parlé, elle a dit, ça dépend de toi. Est-ce que tu veux, il faut parler à tes services, tu as parti. Puis, je lui ai dit, je vais pour 800. Et puis, elle m'a donné comme ça pour 800. Et puis, j'ai commencé à tourner dans le marché, faire mon marché. Et puis, je suis rentrée à la maison. Dans ça, j'ai décidé d'éplucher rapidement les patates puis de me mettre là devant la porte pour commencer à vendre. Donc, le premier truc que j'ai grillé déjà, j'ai servi les enfants dedans, ils ont mangé. Mm-hmm. Et puis moi, j'ai commencé à vendre. Et quand j'ai fini, j'ai fait mon calcul, j'ai vu que tout ce que j'avais dépensé est sorti. J'avais un bénéfice de 1500 que j'ai gardé. Donc, avec ça, quand il est venu le soir, on a commencé à échanger. Et ce qu'il avait rapporté, il m'avait donné encore. Aujourd'hui, comment ça se passe? Donc, avec les 2500, vu le bénéfice que j'avais commencé à épargner, elle dit que monsieur sort, il s'en va grouiller. Quand il revient, avec ce qu'il gagnait encore, il a commencé à me soutenir. Parce qu'au début, c'était sur le charbon. Mm-hmm. Et à un moment, il revient un soir avec une bouteille de gaz. Ah. Au fur et à mesure, ça commençait à grandir. Donc, de la patate, j'ai ajouté des bananes. Je faisais de la loco. Après la loco, je suis passée à Tchéqué. Ainsi de suite, j'ai commencé à prendre maintenant les sacs. J'ai commencé à prendre des sacs de bananes. La loco marche là-bas, donc j'ai pris la loco. Maintenant à loco, voilà, poisson, à Tchéqué. Et on peut dire que ça se passe bien. Ça se passe bien. On va applaudir pour monsieur et madame Kwame. Ouais. Parce que là, à partir de zéro, j'ai envie de dire partir de zéro, parce qu'on est parti des muscles, bon, pas zéro, mais parti des muscles de monsieur Kwame dans la maçonnerie. On a pu avoir un fonds, on a donné 2500 à l'épouse qui, elle, va fructifier les 2500. Aujourd'hui, elle fait de la loco, elle fait de la tchéqué, elle fait du poisson. Tous ces moments vous permettent de mieux vous en sortir. Et là, vous n'êtes plus chez les beaux-parents. C'est ça. Là, vous êtes où maintenant? On est chez nous maintenant. Vous êtes dans votre maison maintenant. Vous êtes dans votre petite, dans votre nid à vous, oui. Avec les enfants, oui. et tout se passe bien. Tout se passe bien parce que les enfants sont maintenant épanouis. Ils peuvent jouer, ils jouent dans la maison, ils font ce qu'ils avaient envie de faire avant. En tout cas, c'est ce qu'ils n'arrivaient pas à faire. L'autre côté, aujourd'hui, vous voyez vos enfants en train de courir et ça vous fait plaisir. C'est ça. Monsieur et madame Kwame, pendant cette période difficile, il y a des personnes qui étaient proches de vous et nous allons écouter leur témoignage. Ce qui m'édifie le plus dans cette relation, c'est la solidité de leur groupe vis-à-vis de toutes les difficultés qu'ils ont eu à rencontrer. Voilà, j'ai été témoin plus ou moins à plusieurs reprises de certaines difficultés qu'ils ont eu à rencontrer. Et vraiment, ils ont toujours tenu bon. Voilà, toujours surmonté ces difficultés. J'ai été témoin de plusieurs de leurs difficultés, mais l'une en particulier. Une fois, il n'y avait plus pratiquement rien à manger à la maison. Et c'est une famille où il y a beaucoup d'enfants également, et même les enfants c'était difficile. Il y avait des enfants qui étaient malades, madame qui ne faisait rien, aucune entrée. Et on travaillait quelque peu ensemble, et pour moi ce jour-là quand il m'a dit ça, c'était vraiment difficile de savoir que dans un couple où il y a des enfants, il n'y avait pas de quoi manger. Et ce jour-là vraiment, j'ai vraiment usé de
ce que je pouvais avoir pour pouvoir vraiment faire un geste afin de pouvoir les soulever. C'est ainsi que j'ai su réellement ce qu'ils traversent. Ce que j'apprécie réellement face à toutes ces difficultés, c'est quelque part un couple qui a de l'espoir dans son cœur. Ils traversent des difficultés que beaucoup de couples aujourd'hui ne pourraient pas supporter. Mais à eux, tu sens qu'il y a de l'espoir que la situation va changer demain. Et donc, chaque fois, tu les vois quand même avancer malgré tout. Ce qui m'édifie dans leur relation de couple est que ce couple est vraiment merveilleux de par leur vie ensemble. Franchement, ce couple, vivant chez les beaux-parents, c'est-à-dire Didier chez lui, avec sa femme, chez ses parents, avec sa femme, ses enfants, vraiment, c'était vraiment pas facile. Hein, souvent même, il n'arrivait pas à manger. Et la belle-mère qui persécutait toujours sa belle-fille, toutes ces situations-là, vraiment, ont été, en tout cas, des situations auxquelles ils ont fait face durant leur vie. Face à cette difficulté, vraiment, ils ont été des personnes qui vraiment étaient toujours unies par rapport à ça. C'est vrai qu'il y a eu des disputes, mais à travers les conseils aussi de ma part, franchement, ils pouvaient aussi surmonter. Vraiment, ce que je peux leur dire est qu'ils doivent toujours continuer jusqu'à la fin. Et que si Dieu les a mis ensemble, vraiment c'est pour, en tout cas, vivre beaucoup de choses merveilleuses ensemble. Et qu'il ne doit pas seulement regarder le côté où il y a la situation. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de voir ces personnes témoigner de vous? Bon, c'est un peu comme on regarde dans le rétroviseur, mais on regarde des matchs de football en différé. On voit que c'est vrai, on a traversé toutes ces difficultés, mais il faut dire que ils nous ont été, en tout cas, vraiment d'une grande utilité. Franchement, ils ne nous ont pas abandonnés. Ils nous ont toujours, en tout cas, conseillé. Ils nous ont toujours, en tout cas, dépanné. Leur amitié. Ils ont été bons pour vous, Christelle. Franchement, ils ont été bons pour moi. En tout cas, quand je regarde ça, je vois ça aussi, je peux, en tout cas, leur dire merci parce que je pense que sans leur soutien, on ne serait pas là aujourd'hui parce qu'au moment où le désespoir s'est installé, ce sont ces personnes-là qui nous ont donné le courage de toujours continuer. Donc, c'est un grand merci. On va remercier ces personnes qui ont accepté de témoigner pour vous, qui ont accepté de vous soutenir dans ces moments difficiles, qui sont restés là dans les bons comme dans les mauvais moments. Aujourd'hui, ils sont là dans les bons moments. Ici, dans Un couple, une histoire, nous avons notre petite causerie où nous abordons des sujets qui concernent les couples, amour et désamour. Pour amour et désamour, le sujet du jour est le suivant. Une belle-mère a-t-elle le droit de s'ingérer dans le foyer de son fils? Jusqu'à quel niveau? Monsieur Gazi. Oui, Méliane. Vous savez, nous sommes en Afrique, j'aime le dire. Et nos parents, ils veulent ce qu'il est de mieux pour nous. Mm-hmm. Mais souvent, ils exagèrent. Souvent, ils nous imposent des choses. La maman, on peut prendre des conseils auprès d'une maman. On peut demander l'avis d'une mère. Mais une mère peut pas être, ne doit pas être au centre même d'une relation, au centre même d'un couple. Elle ne doit pas s'ingérer dans la vie du couple. Elle ne doit pas s'ingérer dans la vie du couple. Moi, je pense que souvent, les belles-mères ont raison parce que ce sont les belles-mères souvent qui sont un peu compliquées parce qu'elles sont celles qui ont porté les enfants. Donc, on voit une autre personne venir s'introduire dans la famille. Vous avez combien de garçons? On a trois garçons. Trois garçons et une fille. Ouais. Donc, je pense que là, vous êtes en train de préparer. Mais pourquoi on a anticipé pour dire que, bon... Je vois qu'elle a raison parce que c'est nouveau. Quelqu'un vient lui arracher son enfant et puis en même temps... Non, c'est quand même facile, donc... Elle a raison, mais il ne faut pas souvent exagérer parce que... Mais jusqu'à quel niveau elle doit s'ingérer? Parce que vous, par exemple, elle est allée jusqu'à dire non. Comme une maman, parce qu'on doit, quand ça ne va pas, moi, je dois être en mesure de lui dire, maman, voici ce qui se passe entre moi et ton fils. D'accord. Demande conseil, voilà. Elle doit être en mesure d'attendre que je vienne vers elle pour lui demander conseil. Mais elle ne doit pas venir s'imposer dans le foyer. Elle ne doit pas s'imposer parce que chacun a son choix. Elle a fait son choix. Nous, on a fait pour nous aussi. Donc, je pense que ça ne doit pas exagérer. Didier. Bon, à mon niveau, vous savez, les problèmes dans les couples, ça arrive tout le temps. C'est-à-dire, entre nous,
entre nous, si on a décidé de se mettre en couple, je crois que c'est parce qu'on est déjà mature, majeur et mature. Donc, il y a certaines, il y a certaines histoires, il y a certains problèmes qu'on peut régler entre nous. Voilà. Mais, si les parents doivent intervenir, c'est lorsque, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à régler ça, entre vous. Si on n'arrive plus à régler ça entre nous, en ce moment précis, c'est-à-dire que les parents peuvent intervenir. Voilà. Je pense que moi... C'est à ce moment-là qu'on doit admettre qu'elle ne doit pas venir. Elles viennent jusqu'à choisir la petite amie, intervenir dans le plat que la femme est en train de cuisiner. Non, mon fils n'aime pas ça. C'est ça. Faut faire ceci, faut faire cela, mais bon... Mais le problème en fait, c'est-à-dire que des belles-mères, elles croient connaître leur enfant. Ouais. C'est-à-dire qu'elles croient connaître leur enfant. Elles connaissent... Les enfants à 55%. Bon, elles connaissent le garçon en tant que fils. En tant que fils, merci. Mais elles ne le connaissent pas en tant qu'époux. En tant qu'époux, c'est ça. C'est pareil aussi pour la fille. Elles connaissent, la belle-mère connaît la fille en tant que fille. Fille. Elle ne connaît pas sa fille en tant qu'épouse. Oui. Ça. Donc, il y a certaines choses que les conjoints de part et d'autre ne peuvent pas faire devant leurs parents. Oui. Mais devant son partenaire, c'est-à-dire qu'elle peut le faire. Elle peut le faire. Voilà. Donc, si je suis en train de dire à ma belle-mère que ta fille réagit comme ça, ma belle-mère peut me dire que c'est faux. Ouais, parce que. Elle peut me dire que c'est faux. C'est faux parce que c'est pas l'attitude qu'elle a devant. Donc faut pas forcément laisser la belle-mère s'ingérer dans le foyer. Voilà, justement. C'est ça. Donc, ouais, toutes les belles-mères qui nous suivent en ce moment, comprenez, vous aimez vos fils, c'est vrai, mais en tant qu'épouse, on les aime aussi. Donc évitez de venir trop choisir. Les plats, les dessous, les attitudes, vous pouvez donner un regard, comme ils l'ont dit, des conseils, mais ne venez pas forcément vous ingérer dans le foyer, c'est notre foyer un peu, non? Bien, Christelle. C'est tout ça. En tout cas, on a été ravis d'être en votre compagnie. L'émission tire à sa fin. Votre mot de fin, monsieur et madame Kwame. Aujourd'hui, pendant ma quête de recherche de travail, j'ai constaté une chose. Il y a beaucoup de jeunes qui ne travaillent pas. J'ai compris la raison pour laquelle beaucoup, en tout cas, utilisent la facilité. Effectivement, ça dit, le boulot, le travail ici en Côte d'Ivoire est un peu comme de l'or. Mais, à travers toutes les situations que moi j'ai traversées, c'est-à-dire aujourd'hui, ma femme et moi, on est devenus un. On est devenus plus que un. J'arrive à sentir le cœur de ma femme. Même actuellement, nous sommes... Je fais la vaisselle, je fais la lessive, je fais l'entretien de la maison. Toutes les voisines sont étonnées. Il y a une de mes voisines qui me dit que je retourne dans le ventre de ta maman. Si tu reviens, je vais t'épouser. Voici. En tout cas, c'est comme ça. Mais il a fallu ces situations-là pour qu'aujourd'hui, on arrive là. Donc, en fait, ce n'est pas que le problème, ce n'est pas la situation que nous traversons. Quel est notre regard dans cette situation? Si on voit la situation d'un autre point de vue, ça dit que c'est sûr que l'espoir sera au bout. Mais si on voit la situation telle que nos yeux la voient, c'est clair qu'on va toujours demeurer dans le désespoir. La réalité n'est pas la vérité. Voilà, c'est ça. C'est ça. Christelle, un mot à l'endroit de toutes ces femmes qui nous suivent. En tout cas, je voudrais dire à toutes ces femmes-là d'être courageuses parce que moi, aujourd'hui, je dis merci aussi à ma belle-mère, je dis merci à mes beaux-parents parce que si je rentrais dans cette famille-là, qu'on m'accueillait à bras ouverts, je n'allais pas apprendre. Mais à travers tout ce qui est arrivé aujourd'hui, ma belle-mère et moi, on s'entend. Si elle ne me voit pas, elle me cherche. C'est-à-dire, si elle ne me voit pas, elle appelle pour voir comment je vais. Ou bien elle envoie des gens pour me chercher. Je pense que ça m'a formée. Et je veux aussi dire à toutes les femmes d'apprendre de ne pas se limiter à la situation. Parce que quand ça chauffe, on a envie de partir. Mais on doit arriver à un moment où on doit réfléchir pour voir que pour se demander si on va, est-ce que c'est ça qui va résoudre le problème. Parce que tu laisses un homme parce que tu souffres, mais devant aussi, ensuite de suite, tu n'auras plus peut-être de vie. Donc, j'aimerais donner beaucoup de courage à ces femmes-là. Elles ne sont pas seules. Mais dans la difficulté, il y a toujours, en tout cas, la victoire devant. Donc, j'aimerais, en tout cas, les motiver à être comme ça. Et je dis beaucoup merci à mes beaux-parents qui m'ont soutenue parce que ça, pour moi, c'est un soutien. Au début, c'était difficile, mais aujourd'hui, je les remercie. Parce qu'à chaque fois que j'ai l'occasion, je cause avec ma belle-mère, je lui dis merci. Elle est étonnée. Mais c'est vraiment un merci que je lui dis parce que c'est le cœur d'une maman qu'elle a montré. Elle a monté son mécontentement, mais ça m'a formée. Et je lui dis merci vraiment pour ça. Merci Christelle. Monsieur Kwasi, oui, c'est déjà la fin. Oui, vous savez, dans toutes les relations, dans tous les foyers, il y a toutes sortes de difficultés.
mais la simplicité et l'harmonie entre deux personnes, c'est-à-dire le couple ici, ça les a permis de pouvoir grandir, de pouvoir tenir. Donc moi, ce que je peux dire, c'est cette simplicité-là qui va donner la force même au couple. Parce que si vous êtes unis, si vous êtes un, si vous partagez la même vision, la même manière de voir les choses, vous allez voir que dans cette difficulté-là, vous allez toujours grandir, vous allez toujours avancer. Donc quand il y a une situation, il faut être unanime. Quand il y a une situation, il faut se comprendre. Quand il y a une situation, il faut se comprendre. Mais à un moment donné, si on essaie d'accuser l'autre, vous allez voir que l'amour même qu'on ressent, on va commencer à se dire, bon, il y a l'impression que ça n'a pas été fait, j'ai fait une erreur, donc il faille que je parte. Mais quand tu te dis que ce qui est arrivé, ça doit arriver, et que cette manière de voir les choses positivement, vous allez voir que vous allez grandir. Et puis à un moment donné, vous allez vous en sortir. C'est ce que je peux ajouter. Merci, monsieur et madame Kwame, notre couple invité. Merci monsieur Kwasi. Merci à vous, chers téléspectateurs. Nous avons été ravis d'être en votre compagnie. Rendez-vous dans quelques jours. D'ici là, portez-vous comme un charme. Bye bye. Bye bye.